Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui, nous allons jouer avec ce jeu de pâte à modeler Play-Doh, le super camion grue électrique. Il s'appelle également Buster the Power Crane. Il fait partie de la collection des camions de Diggin Rigs. Grâce à ce camion, nous allons pouvoir recréer tout un chantier en construction. Il vient même avec des sons. Et quand on appuie juste là, hey, I'm Buster the Power Crane. Let's power up. Et en fait, il nous dit son nom et il dit qu'il est prêt à se mettre au travail. Donc voici le contenu de la boîte. Il y a de la pâte à modeler marron, de la pâte à modeler marron clair, de la pâte à modeler noire, à paillettes et finalement de la pâte à modeler de couleur argentée. C'est une très belle couleur. Voici la partie supérieure de la grue et là on va fixer les différents tampons qui viennent avec le camion. Voici la scie circulaire qui va nous permettre de couper la pâte. Nous avons ici un moulage pour faire un petit camion avec une lampe de chantier. Voilà. Et là, quand on lève la grue, on a le rouleau compresseur et on va l'utiliser pour goudronner les routes. Ici, on a le premier tampon. Il y a même une petite foreuse. Et on a bien sûr la grosse boule de démolition qu'on va utiliser pour démolir le mur. Il y a un autre tampon ici. Par contre, je ne sais pas ce que c'est. Et derrière les yeux du camion, il y a d'autres moulages qui vont servir à faire les briques. Voilà. Et aussi des plots de chantier. Et ces briques vont servir à construire le mur. On va tout de suite assembler le premier tampon. Voilà. Et on va le fixer également à la grue, comme ceci. Et il est prêt à l'emploi. Il suffira d'appuyer bien fort sur la pâte à modeler qu'on mettra en dessous. Et aujourd'hui, il y a Martin de Disney Car qui va aider Buster le camion à démolir tous les murs que nous allons confectionner. Et il y a également Flash McQueen qui va venir les aider. Nous allons immédiatement parfaire le petit camion de chantier avec de la pâte à modeler marron. Et le voici, il y a une lampe de chantier dessus et on va la mettre à côté de Flash McQueen. Et le deuxième va être de couleur noire. Voilà le deuxième camion de chantier. Et on va le mettre à côté de Martin. Et Martin est très content car il a son assistant avec lui pour l'aider dans la démolition des murs. Il y avait également cet emporte-pièce que l'on met au dos du camion grue pour faire les poutres en béton. Donc on le glisse comme ça. Voilà, et il est prêt à l'emploi. On va maintenant utiliser la belle pâte à modeler de couleur argentée. Voilà, on va la mettre sous le tampon et on va appuyer bien fort. On va maintenant utiliser cette scie circulaire pour découper tout autour.
Et voilà, nous avons un morceau de pavé. On va maintenant enlever le tampon et le faire de cette manière. Et voici notre deuxième moulage de pavé. Et j'ai l'impression qu'il est mieux réussi la deuxième fois. Donc quand on utilise le tampon, c'est beaucoup moins facile de le réussir. J'en ai fait un autre avec du goudron noir. Et voilà ce que ça donne. Parfait. On va essayer de le faire également avec le tampon comme ça. J'ai l'impression qu'il sera mieux réussi qu'avec la pâte argentée. Et effectivement, il est un peu mieux que la couleur argentée. Mais il est beaucoup mieux quand on le fait à la main. On va maintenant faire ce moulage. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas trop ce que c'est. Et là, j'ai besoin de votre aide, car franchement, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va maintenant utiliser les moulages qui sont derrière le camion pour faire les briques du mur. Et voici notre première brique. On va en faire plusieurs de différentes couleurs. Et voici une plus petite. Et il y a également un plot de chantier. Voici la pâte qui était à l'intérieur de ce pot. Elle n'a pas l'air très marron, mais plutôt orangée. Donc c'est une couleur parfaite pour faire les plots de chantier. Mais on va aussi l'utiliser pour les briques. Donc la voici. Et voici le plot. Et voici la dernière brique. On peut aussi faire les plots de différentes couleurs. Là par exemple, j'ai mis du orange. Et il faut appuyer bien fort. Et ensuite, je mets du noir pour la base. Et on referme en appuyant très fort. On enlève l'excès. Et là, on a un plot parfait de couleur orange et noir. En voici un autre argenté et noir. Il est temps de construire notre mur. Et on va voir le camion à l'action. Et voilà. En un coup de boule, il a fait tomber le mur. Et maintenant, c'est au tour de Martin. Il a besoin d'un peu d'aide. À eux deux, ils font une super équipe de camions de démolition. C'est maintenant au tour de Flash McQueen qui a un peu de mal. Mais Martin vient à la rescousse. Et voilà, le mur est complètement démoli. Nous allons maintenant étaler le bitume avec le rouleau compresseur pour créer notre route de chantier. Et voilà ce que ça donne. Et je crois que Martin ne peut pas s'empêcher, il a envie d'essayer cette route. Mais il se rend compte que le bitume n'est pas encore sec. Et finalement, cette route ne l'intéresse pas tant que ça. Il a un peu défoncé la route, mais ce n'est pas grave. On repasse un peu de rouleau compresseur. On enlève les petits bouts, voilà. Et on repasse encore. Et là, on a une route presque parfaite.
et on va la découper avec la scie circulaire pour avoir une parfaite symétrie. Et voilà, nous avons une nouvelle route bien goudronnée. Nous allons maintenant utiliser la pâte à modeler argentée pour faire des poutres en béton armé et on les met derrière et on va appuyer très très fort. Et pour découper, on va utiliser la scie. Et ce deuxième motif permet de faire des barres d'acier pour la construction. On va découper avec la scie et on va tourner un peu. Et voilà, on a des parfaites barres d'acier. En voici une autre un peu plus longue. Le super camion est prêt à tout défoncer. Et maintenant, c'est au tour de Martin qui lui aussi a une pêche d'enfer. On va voir si le camion peut aussi faire bouger des barres en acier et des poutres. Et oui, il peut, mais avec un peu plus de difficulté. Voici l'ensemble des créations qu'on a fait avec ce kit de pâte à modeler Pledo, le super camion grue électrique. Il y avait 4 belles couleurs de pâte à modeler qui nous ont permis de faire des camions de chantier, des routes goudronnées, des pavés, des barres en acier, des poutres en acier, des plots de chantier, du bitume et surtout un mur fait de briques qui n'a pas arrêté d'être démoli par le super camion et par son ami Martin de Disney Cars. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Disney Récré pour de nouvelles aventures avec les camions de la collection Dick & Riggs de la pâte à modeler Play-Doh.